Ouais, c'est chaud. Ouais. Bon, j'en suis pas très loin, ouais, du coup, allez, encore ce portion là de versant à faire et il est après derrière là. Et bon, c'est de plus en plus compliqué et de plus en plus dur. Ouais. Plus en plus technique à pousser le vélo et physique. Ouais, faut pouvoir porter le vélo. Mais je peux pas. Je suis pas assez costaud. Et puis voilà quoi. Ouais, j'essaye de le mettre un peu plus haut là parce que bon, moi j'aimerais bien avoir le sentier pour pouvoir marcher, pas marcher dans le dévers, ce qu'est la vie. Moi au moins pour pousser je suis en sécurité sur quelque chose de solide, pas de fuyant. Ah ouais, c'est très technique, très compliqué. Ouais, c'est comme l'ascension de l'Everest. Chaque pas est une victoire. Qu'est-ce que tu veux te servir du mode walk là? Si tu veux avoir la roue avant qui va buter, la roue arrière qui va patiner dans le vide. C'est là, je me suis jamais autant servi des freins en montée pour retenir le vélo. Je pousse, je freine, je monte moi, je pousse le vélo, je le bloque, je monte. Voilà, la progression se fait pas à pas. Elle n'est pas du tout régulière, elle a la force des bras, des mollets. Moment de répit, sorte de petit défilé comme tout à l'heure. Faire une autre traversée. Allez, là ça va descendre un petit peu. Ce que je viens de monter, ben, je le redescends en suivant. Là, s'il y a des marches, enfin des marches dans la pierre, qui fait des marches. Ouais. Là je suis cassé, là je suis épuisé, fatigué. Là, il me tarde d'arriver au col. Ouais, en rando pédestre, j'avancerai deux fois plus vite, hein. C'est clair. Hein. Mais bon, j'ai le vélo à me. Mon moyen de locomotion à faire suivre. Hein. Allez, ça va se lisser. Oh putain, il y a le brouillard là, je vois plus. Oh merde. Ah là, je vois plus rien là.
j'aime pas ça. Une petite pelouse herbeuse là. Pente herbeuse, je suis en dévers. La traversée. Waouh! Oh là là. Ok, ouais, c'est là. Ici là. Traversée. Moi, je suis pas loin, hein. Mais bon, dans le brouillard, j'ai l'impression que t'es pas encore arrivé, quoi. T'es vers les notions de distance. Là, j'arrive même pas à pédaler. Je pédale avec un coup de pédale à aval, je rétrograde. Je pousse avec le pied à mont. Ouais, je suis pas loin, hein. Je suis pas loin, mais j'y suis pas. Allez, j'essaye de pédaler là. Allez, allez. Et voilà. Jusqu'à la prochaine difficulté. C'est-à-dire ce passage là. Une bergerie, c'est bon signe, ça veut dire que de la bergerie étant, il risque d'y avoir une sente un peu plus facile pour rejoindre le col, j'espère. Ouais, j'ai pris là en bas, mais un peu dans le dévers. Mouton. Ah putain. Eh bien là t'en as chié mon gars. Je sais pas où je suis. Je vous dirais vers la buvette. La bergerie. T'en as chié. Où suis-je? Vente de fromage à brebis. Alors est-ce que je vais aller là? Ah, ça fait du bien de retrouver du bitume. Putain, là ça a été chaud, hein. Oh là là, que ça a été chaud. Voilà, là je suis au col d'Hiro, je présume. Ouais, ouais, c'est ça. Je vais rattraper la départementale, là, qui en fait vient de les chalets de Cise. Je vais passer par le col de Sourçaille. J'avais été quand j'avais fait le OKB. J'étais descendu sur... Paul de Sourceil. Voilà. Yeah man. Eh bien, le soleil est encore au-dessus. Hein. Moi, je suis dans le brouillard. Voilà. Étape au Soirati. Galdigue Gounéa. Cayolar Irao. Cayolar, c'est la petite cabane de berger.
19 € le kilo. Et c'est ouvert. Bon, ok, ben moi je vais me poser là parce que je vais manger. Et même si c'est dans le brouillard, j'ai rien à branler. J'ai faim. Il est l'heure. Quelle heure il est? Ouais, pratiquement midi. À 4 minutes près. Donc on va se poser là. Et on ira pas, ira bien, hein, parce que là je suis mort. Col d'Irao. Alors il faudra que je continue et puis dans le virage on verra. Si je redescends par la route ici, je me fais la descente que j'avais envisagé de faire par le GR. Allez, à plus.